Et l'intello, toi, je vais te mêler. À chaque DM, tu me dis que t'as pas fait. Et après, l'os nous tire, désolé. Je sens comme une envie d'étrangler. Bon, les gars, ça y est, on est déjà mi-juillet. Faut vraiment qu'on s'organise pour nos vacances, là. C'est bon, frère, chill, on a le temps. On part qu'en août. Mais déjà, avant même de commencer à organiser, faudrait pas déjà savoir où on part? Ah, bah oui. Moi, je propose d'aller à Monaco. Mais t'as même pas de sous pour t'acheter un kebab, frère. Qu'est-ce que tu veux aller faire à Monaco? C'est pas faux, ouais. Bah après, si c'est une question de budget, on a qu'à aller au Maroc. Ce sera moins cher. Ah non, 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 non. Si c'est Maroc, moi, je viens pas. Faut prendre l'avion et j'ai peur de l'avion, moi. Oh là là. Mais sinon, j'ai une idée de fou. Venez, on part à poil. Quoi? Comment ça, à poil? Tu crois que je suis un naturiste, moi? Mais non, mais poil, c'est une ville en France, frère. Et la ville, elle doit être remplie d'esthéticiennes. Et d'ailleurs, pour nos vacances, c'est quoi les dates qu'on s'est dit? Bah, ça fait 6 mois que c'est fixé, on part la première semaine d'août. Je peux pas, moi. Hein? Cette semaine-là, je dois garder l'hamster de ma grand-mère, les frères, désolé. Mais t'es sérieux, toi? Bon, bah on part la deuxième semaine d'août alors. Ah, pas possible pour moi. À cette date-là, j'ai les crampetés. Bah on partirait la troisième semaine d'août alors. Ah non, impossible pour moi. Cette semaine-là, je suis à Paya. Eh, vas-y, c'est bon. De toute façon, vous me saoulez. Eh, toutes les années, c'est pareil. Vous dites pour moi, c'était bon. C'est lui, la semaine. Oh, c'est bon, les gars. On pourra toujours partir l'année prochaine. Ta gueule. Question 2. Question 3. À l'aide de vos connaissances. Quelle connaissance, frère? Je me connais même pas moi-même, déjà. Et je rajoute cette citation. Et là, faut que je le recopie, frère, sinon je suis foutu. Et où le Doberman, là? C'est bon, le champ est libre. Alors là, il faut que je conjugue. C'est quoi, c'est un bras ou c'est un 4-4-2 du Bayern qu'il a, lui? Un javelot! Oh, le poteau, c'est la muraille de Chine, son bras, je peux rien voir. Le COD. Attends, je vais passer au-dessus de la muraille. Non mais ça va pas bien, ces boulots. Ouais, je t'ai dit. Tu me recopies pas. Ouais, je crois qu'on fait croquer ma gueule. Je vais en parler au prof. Comment ça t'en parles au prof? On voit la réponse. Et puis quoi encore? Je suis trop spélo. Question 5. C'est la dernière question? Mais je peux répondre à aucune question. Et là, j'ai pas d'autre choix que de le recopier. Quoi? Alerte à la copie. Hein? Alerte à la copie. Vas-y, c'est trop, lui, c'est un gamin, frère. Pff, gros crotin, va. Ah, tu fais le rebelle, hein. Silence. Tu fais le malin un peu, hein. Chut. Mais ma copie. Et bah sur la tête de homme que si j'ai 0, t'auras 0 aussi. Quoi? Alors, je vais sélectionner un élève qui va interpréter le texte. Pas moi, pas moi, pas moi. Ce sera... Dylan. Putain, mais vas-y. Selon toi, que veut dire Victor Hugo lorsqu'il dit « Paris a un enfant et la forêt a un oiseau. L'oiseau s'appelle le moineau et l'enfant s'appelle le gamin. » Bah là, il a voulu dire que l'oiseau, son prénom, c'est moineau. Mais non, mais enfin! Ici, tu vois bien qu'on a une métaphore métaphorique qui métaphorise l'hyperbole qui vient hyperboliser le fait que l'oiseau est un humain. Oh, tu as pas bientôt fini de m'inventer une vie? Vie? Victor? Oh, ça fait 20 piges, là, t'interprètes. Eh, frère, lis, je suis fan de toi, Vivi. J'ai écrit, faut que tu lises. T'es là, t'interprètes, tu crois t'es qui? C'est mon cerveau, il a écrit, pas le tien. Alors, je sais mieux que toi, qu'est-ce que j'ai voulu dire? Il a raison, le petit. Eh, c'est juste que le blast de l'oiseau, c'est moineau. Classe. T'es là, tu me parles de métaphore, là. Je vais t'en mettre une dans ton front, ça va te métaphoriser. Quoi? Oh, les gars, je vous ai ramené un cheesecake pour le goûter. Mais non. Vous allez être chaud. Moi une tarte aux pommes. Encore une tarte aux pommes. Fraîchement cuite. Et moi des cookies. Oh, des cookies. Et oui. Moi des muffins. Oh, le muffin, ma gueule. Fourré au Nutella. Moi j'ai ramené ça. T'as ramené quoi? Bah j'ai ramené des serviettes. Mais non, mais je viens de capter. En fait c'est des trompe-l'œil. C'est comme Cédric Grolet. Genre c'est des serviettes mais dedans il y a un coulis. Bah dans celle-là je viens de me moucher donc il y a plein de coulis, hein. Par contre dans les autres c'est juste des serviettes. Quoi? Comment ça c'est juste des serviettes? Bah serviettes en papier. Donc toi on te dit on fait un goûter. Tout le monde ramène quelque chose, tu ramènes des serviettes? Bah j'avais pas d'autres idées. Mais frère mais même ramène de l'eau. C'est trop serre. Il me ramène des serviettes, tu quoi, je suis un Doberman moi. Je vais prendre les serviettes, je vais les mâcher. De toute façon t'en fais pas. Si t'as faim, il y a les cookies de Carole, ils sont trop bons. Hein? Ah, parce qu'en plus, t'as osé lui prendre des cookies? Ah oui, d'ailleurs, tu m'échanges du cheesecake contre des serviettes? Oui, bah oui, j'allais te le dire. C'est comme si je t'échange une carte Pikachu contre une carte X. Mais donne-moi du cheesecake! Eh, mon pote, moi, je suis pas Coluche. Je vais t'en mettre une, pas deux, tu vas trier au resto du cœur. Quoi? Vas-y, frère, on va manger? Vas-y, j'ai la dalle. Oh, attends, j'ai oublié de demander un truc à la prof de philo. Non. Attends-moi, je reviens. Ah, vas-y, frère, tu forces. Ouais. Mais elle joue à quoi, là? Bon, va la voir. Attends deux secondes, frère. Mais elle joue à quoi, elle? Et puis, quand on y réflexionne,
Qu'est-ce que l'essence même d'un javelot? Est-ce qu'on le sait même? Ah bah une chose est sûre, c'est que je sais que j'ai pété. Attends, mais c'est pour ça que ça pue à chaque fois dans son cours. Elle se chie dessus à chaque pause. Et là? D'ailleurs, c'est sur quoi que je suis assis? Ça me fait mal aux fesses. C'est un livre de Socrate. Il y a une photo de Soso. Attends, je savais que c'était une prof de philo et qu'elle avait des délires chelous, mais elle est livrophile? Wesh, elle galoche du papier. Oh, mais c'est quoi ça? C'est toutes les copies que je dois corriger? Allez. T'as atterri à 1 mètre, 1 sur 20. 5 mètres, 5 sur 20. Mais wesh, mais c'est pour ça que j'ai 5 de moyenne, moi, en fait. Allez, on va se mettre un petit peu de musique. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis. Mais non, là, c'est trop. Eh, frère, plus jamais de ma vie, je vais en cours de philo. Hein? Plus jamais. Quoi? Très important. Y'a quoi? Vous notez pour demain d'acheter l'avare de Molière, le malade imaginaire de Molière, le fourberie de Scapin de Molière. Oui, bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Y'a quoi? Un livre, deux livres, trois livres, tu crois que je suis une médiathèque, moi? Non, mais ça va, c'est que trois livres. Et puis en plus, c'est du Molière. Ah bah si c'est Molière, ça va alors. Ça justifie les 70 euros à mettre dans trois livres. Exactement. Puis ça permet de donner de la force à Molière. Quoi? À lui donner de la force carrément? Ben oui, il faut le soutenir. Mais c'est quoi en fait Molière? Il vient d'ouvrir une chicha ou il écrit des livres? Quoi? Non mais c'est pas possible! Je lui parle de Molière, il parle de Narguilé. Pipao! Respecte un petit peu Molière. Ouais, j'avoue. Non mais c'est quoi la prochaine étape? Ouais les frères, partagez Molière en story, envoyez la force, il sait le rond. Et au lieu de faire le pitre, tu voudrais pas lire un petit peu de Molière? Ça ferait pas de mal à ton cerveau. Et ça va, Arpagon? Arpa quoi? Oh, t'as corrigé trois dictées, tu viens me faire la poète. Quoi? Ben, tout le monde, vous m'écoutez. On va en sortie scolaire, on en a pour 5 minutes de marche. Donc s'il vous plaît, vous vous tenez à carreau. C'est qui, carreau? Merci. Wesh, regardez Tristan. Mais Tristan, tu descends de cet arbre. Ah madame, je vois toute la ville d'ici. Je m'en fous, tu descends. Putain, vas-y. C'est pas possible ça. Vroom. Eh vas-y monsieur, accélère. Vroom. Mathis, tu viens sur le trottoir. Mais madame, je vais faire la course avec la voiture. Mais je m'en fous, t'es pas Flash McQueen. Ben non. Bon, tu reviens sur le trottoir. Oh. Il commence déjà à m'épuiser. Un kilomètre à pied, ça use. On a 5 minutes de marche. Vous allez pas commencer votre cinéma? Ça use les souliers. Oh. C'est bon, on est arrivé, vous rentrez tous un par un. Vas-y frère, enlève-toi, je suis prioritaire. Et calmement. C'est pas un stade de rugby ici. Je suis prêt. La ferme. Bon, se détendre les All Blacks. Bon les élèves, je vous présente Béatrice qui va être notre guide pour la journée. Bonjour. Eh hey, mais wesh, la madame elle a de la moustache. On dit pas ce genre de choses. Désolé madame. C'est pas grave. Elle ressemble à Charlie Chaplin. Allez-y, suivez Béatrice. Attends-nous Charlie Chaplin. 1, 2, 9, 22, 30. 30? T'es, il m'en manque un là. Madame. Oh non. Je dis qu'elle, tu fais quoi là-bas? Eh hey, madame, je suis désolée, mais j'ai trouvé la femme de ma vie. Bon, bah ça doit être ici, mon nouveau lycée. Oh, je te biloute. Hein? Bonjour. Qu'est-ce que t'as, c'est que t'es nouveau dans ce lycée? Alors là, j'ai rien comprendre. Ah, c'est que c'est nouveau. T'es nouveau dans le lycée? Oui, voilà, c'est ça. C'est mon premier jour. Ah, vas-y, viens, je vais te présenter les autres. Allez, c'est parti. Bah... C'est quoi cette musique à fond? Bah ça c'est la sonnerie du lycée. Ah c'est la sonnerie. Voilà c'est ça. D'accord d'accord. Bon bah ici c'est notre classe. Donc moi c'est Dylan Dubois. Pimi c'est Brandon Dubois. Et puis moi c'est Kimberly Dubois. Mais vous vous appelez tous Dubois? Vous êtes tous frères et sœurs ou quoi? Oui c'est ça, et cousins en même temps. Hein? Et ben on est tous frères et cousins. Donc son père c'est ma sœur et ma sœur c'est son oncle. Oula c'est compliqué. Vous êtes tous consanguins ou quoi? Oui sur trois générations. Non mais je rigolais. Mais c'est qui ça? Ah bah ça c'est notre prof de sport, c'est monsieur Dubois. Ok. Ah bah je suis parfait, je sais que je suis en train de dracher. Il a dit quoi là? Il a dit qu'il y a de la pluie donc on peut aller faire sport. Mais on va pas aller faire sport alors qu'il pleut de fou. Ah mais t'inquiète, on va pas se mouiller, on a notre bus scolaire là-bas. Non mais frère, mais c'est pas un bus scolaire ça, c'est une voiture jolie. Tu m'as appelé, t'as dit frère. Non mais je parle pas à toi, je parle à ton frère. Ah tu parles à moi? Non, pas à toi, à ton frère. Tu parles à moi? Mais non, mais pas toi, l'autre frère. À moi, tu parles? Bon, c'est bon, moi, je me casse. Quoi? Et vous notez bien qu'en 1734, on a inventé l'iPhone. Tchouk, tchouk, tchouk. Attends, mais elle est en train de faire quoi, elle, là? Me dis pas qu'elle dessine. Hop, on fait bien les contours pour faire ressortir le dessin. Waouh, mais il est trop beau, ton dessin. C'est vrai, vous aimez bien? Non, pas du tout. Oh, mais ma feuille! Mais ma feuille!
On a un cours d'art plastique ici? Non, mais... Y a pas de mais. Le prochain que je vois en train de dessiner, je lui fais bouffer tous mes feutres, il va chier de la gouache. Ah ouais, Crary, je suis un pinceau, moi. Mais ça doit être super douloureux de faire caca de la peinture. Ah mais c'est la meilleure, celle-là. Je me lève tous les matins pour vous faire cours, et encore vous m'écoutez pas? Je suis qui, je suis Père Castor, moi? Ouais, ouais. Mais monsieur, moi j'écoutais, juste je dessinais en même temps. Mais c'est pas mon problème. En dehors de ma Citroën, y a pas de Picasso ici. Quoi? Hey, Miskin, ça fait 40 ans il est prof, il roule en Citroën Picasso. Et toi, tu dégages. Hein? Tu dégages. Quoi? Et quand je cours, j'avance plus vite que sa voiture. Pardon? Et tenez-vous bien, c'est là qu'intervient Jules César. Et d'ailleurs, en parlant de Jules César, vous lui avez pas volé son rideau en guise de veste? Sa veste, elle est waterproof. Allez, rigolez, rigolez les pintades. Les pas quoi? En attendant, c'est moi qui vais bien rire quand vous allez recevoir vos bulletins. Ça va. Eh ben non, ça va pas. T'as vu tes notes? Moi, je m'en fous, moi. Moi, je l'ai, mon bac. Et ça y est, tout de suite les grands mots. Bertrand, t'as 53 ans, encore heureux que tu l'as ton bac. Et tu m'appelles pas par mon prénom. En plus, Bertrand, c'est fou parce que t'as autant de compétences pour faire tes cours que t'as de cheveux. C'est-à-dire zéro. Et vous arrêtez de rigoler, je suis votre prof. Vous me devez le respect. Et t'as entendu ce que je viens de te dire? Tu ranges le téléphone. On est en cours ici, pas chez TikTok. Mais c'est pas TikTok, c'est Révise. Je scroll comme sur TikTok, sauf que les vidéos c'est des cours et qui sont bien expliqués contrairement aux tiens. Ouais, c'est ça. Ah bah tiens, regarde par exemple. Juste avec cette vidéo d'une minute, j'ai mieux compris qu'avec tes 3 heures de cours. Bah bien sûr. Donc tu vas me dire qu'avec ces vidéos vérifiées sur une application gratuite et sans pub, ça te permet d'avoir des cours adaptés et à mieux comprendre les chapitres? Voilà, c'est ça. Et en plus je révise quand je veux, où je veux et avec qui je veux. Pas comme avec tes cours, je dois venir à 8 heures pour sentir ton haleine de chacal. Quoi? Oui, caille dehors. Vas-y, entre. Ça va, gros? Je fais cours. Bah là, je regarde Oggy et les cafards. Bah oui, j'ai bien vu, mais je sais pas, on a plus de 10 ans. Ouais, je sais, mais c'est trop bien. Eh, bref, vas-y, mets un peu de musique, vite fait. Vas-y, si tu veux. Et en plus, j'ai découvert une musique. Pff, trop bien, regarde. Mais c'est Colonel Réel, ça. Ouais, tu connais? Bah oui, je connais, ça date de 2011, frère. Ah, mais je te jure, moi, j'aime trop. Ok, mais t'as pas une autre musique, vite fait? Ah si, si tu veux, j'en ai une autre. Attends, regarde. Putain, mais gros, on est en 2023. Haha, t'as perdu. C'est la musique du Mannequin Challenge. Faut pas que tu bouges, sinon tu perds. Mais je connais Mannequin Challenge, mes frères, je le faisais quand j'avais 10 ans. Peut-être, mais t'as perdu quand même. T'as quoi, là, gros? Hein? Allez, envoie ton épaule, je dois une pêche. Eh, pourquoi je suis pote avec lui, moi? Eh, bref, vas-y, viens, on va dehors. Eh, j'ai trop envie de faire de l'overboard, là. Hein? L'overboard? En 2023? Eh ouais. Mais t'inquiète, tu pourras me suivre. Pour toi, j'ai une trottinette freestyle. Tu feras un petit tail whip. Quoi? Une trottinette freestyle? Mais je suis scout de street, moi. Eh, tu vas trop kiffer. Vas-y, je reviens, je vais chercher l'overboard. T'en fais quoi? Il m'a glissé des mains. Mais c'est moi, une spinner! Quoi? Ensuite, il vous restera plus qu'à calculer la longueur. Et pour la calculer, on a le cosinus. Monsieur, excusez-moi. Oui? Alors, je doute pas du tout que vous avez un super sinus, que vous respirez super bien et que vos crottes de nez sont de qualité. Hein? Mais en revanche, petite question, ça nous sert à quoi, ça? Enfin! C'est de la trigonométrie! Ça vous sert dans la vie de tous les jours! Alors, je t'arrête tout de suite, hein. Ça me sert pas dans la vie de tous les jours. Quand je vais faire mes cours, c'est que je suis au rayon banane. Je calcule pas quel est l'angle de la banane avec le cosinus, hein. Non, mais ça vous sert pas aux courses! Mais ça vous sert vraiment dans la vie de tous les jours! Ah, mais oui! Mais que suis-je bête! C'est vrai que quand je vais prendre mon bus, pour calculer la distance entre mon pied et la marche, je fais un petit cosinus tangente au carré et directement je sais combien il faut que j'aille avec mon pied. Ah bah voilà, tu vois. Et des exemples comme ça, il y en a mais des millions. Mais je rigolais, c'est de l'ironie. En plus, il y a 60 milliards de formules à connaître. Tu veux que je retienne ça comment, moi? Bah, je te propose deux moyens mémotechniques. Il y a saucatoa et cassotoi. Ouais. Ouh! Y'a quoi? Hey, tu parles à qui, toi? Hein? Sur la tête d'homme, je t'ai rien demandé, déjà je viens en cours contre mon gré, et en plus tu me parles comme ça? Ah, pas rien! Mais sur la tête d'homme, c'est toi, casse-toi! Quoi? Et avec l'oxygène et le soleil, les végétaux pratiquent la photosynthèse! Oh frère, t'as vu la trend Fortnite sur TikTok? Mais bien sûr, frère! Hey gros, les vidéos, elles sont incroyables! Ça va, je vous dérange pas, vous deux? Un peu quand même. Non, parce que je vois pas ce qu'il y a de drôle dans la photosynthèse. Désolé, madame. J'arrête, c'est bon. Désolé. Bon, reprenons. Vous notez bien que ces deux éléments sont les facteurs... Oh frère, s'il te plaît. Dis-moi que t'as vu celle avec le même de TK. Oh, mais oui, je l'ai vu, mes frères, j'étais mort de rire. Frère, celle-là, elle est incroyable. Ça commence à être pénible, là. Donc vous arrêtez de rigoler. Non, madame, désolé, là, c'est de ma faute. Je m'excuse, madame. Bon!
Donc ces deux éléments vont permettre aux végétaux... Mais frère, tu sais laquelle c'est la meilleure? Vas-y, dis. C'est celle du chinois dans Lucky Landing. Ah mais oui, mais de fou. Tu l'as vu aussi, oh, celle-là. Bon, maintenant, vous arrêtez de rigoler, sinon tous les deux, vous finissez chez la CPE. Madame, c'est bon, c'est la dernière fois, désolé. Désolé, madame. C'est bon, quoi. Et donc, le processus qui suit la photo... Lucky Landing. Il faut pas que je le regarde, s'il y a un eye contact, je suis mort. Avec le chinois. Allez, non, c'est bon. Moi, personne m'écoute. C'est simple, je me casse. Elle aussi, elle va à Lucky Landing. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Ça va ou quoi, gros? Mais non, vas-y, frère, je suis fatigué. Je me réveille à 6h30, là, je suis KO. Ouais, bon, c'est le matin, c'est normal. Mais au moins, tu vois, c'est l'été, il fait beau temps. Mais même le matin, il fait trop froid, là. Il y a un air frais, c'est trop chiant. Ouais, je vois, je vois. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai mal au ventre, j'ai trop, trop faim. Ah ouais? J'ai la dalle. Bon, ça va bientôt être l'heure de manger. Non! Bah là, tu dois être content comme t'avais faim et qu'on va manger. Ah, j'avais trop... Mais non, mange des brocolis! Putain, mais j'aime pas les brocolis! Non, mais c'est trop ce pélo! Oh, mec, let's go, t'as entendu? On va regarder un film! Et ouais, mais là, on vient de manger, du coup, je suis en train de m'endormir, je m'en fous du film! Mais même un film, il est pas content! Putain, mais... Qu'est-ce qui t'arrive? Mais je colle au bureau, j'ai trop chaud, là! Mais ce matin, tu te plaignais pas que t'avais trop froid? Oui, bah c'était ce matin! Maintenant, j'ai trop chaud ici! Je transpire, là! Oh, let's go, c'est la fin de la journée! Là, ça y est, t'es content, là! Ouais, bof! Allez, viens, on y va, on va prendre le bus! Oh non, le bus! C'est 17h, le bus, il va être blindé! Mais non! Sur la vie de moi, dégage, parce que je vais te rouler dessus! Quoi? Eh, frère, j'en peux plus! La même! Eh, heureusement que le cours, il s'est fini, mon cerveau, il commence à avoir 1100 de ping! Ah ouais, frère, vraiment! Je sais quoi, ces bruits? Je crois que c'est les CAP coiffures! Les CAP coiffures? Je croyais bien! Fais voir! Oh, elle est où ma tondeuse? Bonjour madame, on part sur quoi? Eh, je veux bien qu'on parte en premier sur les pointes. Sur les pointes? Voilà. Oh, tu tires ou tu pointes? Hein? J'en ai vu des blagues éclatées, mais alors celle-là? Et lui, il fait quoi? Monsieur, vous êtes sûr c'est comme ça qu'on fait une couleur? Oui, je suis sûr. Donc arrête de bouger, madame. Ok. Ah, mais Dylan, qu'est-ce que tu fais, là? Bah, elle m'a demandé une couleur. Je lui ramène de la couleur. Mais on fait pas une couleur à des clients avec un feutre. Et ça y est, ils sont jamais contents, ces clients. Quoi? Attends, donc là, il lui a surligné le crâne? Il est complètement malade, ce mec. Et elle? Ah, mais wesh, mais dégueulasse. Il a plein de pellicules. Non, mais Kenza, on parle pas comme ça aux clients. Ah, mais madame, je touche pas ça, moi. Il a de la neige dans ses cheveux en plein mois de juin. C'est pas très poli, mademoiselle. Eh, la vie de ma mère, ton crâne, c'est Courchevel. Quoi? Attends, on peut faire du ski sur son crâne, à lui? Sacrément what the fuck, quand même. On part sur quoi, madame? Alors moi, je veux changer de tête, je vais m'embellir. Vous embellir? Tout à fait. Bougez pas, j'ai la solution. Ah, c'est vrai? Tada! Un sac? Faut que je fasse quoi? Non, c'est pas compliqué. Tu prends le sac, tu l'ouvres et tu le mets sur ta tête. Quoi? Non mais ça va pas. Ah bah vu ta gueule, je suis désolé, mais y a pas d'autre solution. Pardon? C'est une solution radicale, mais en vrai, il a pas tort. Attends, et lui? Eh gros, écoute, écoute, écoute. Vas-y, j'écoute. Oh Léana! Quoi? Oh, t'es pas un sèche-cheveux, hein? Ouais. Mais j'aimerais bien que tu me chauffes. Quoi? Non mais t'as vu ta gueule? Même avec tes gants, je te touche pas. Eh non, là c'est trop. Eh gros, plus jamais de ma vie, je chez le coiffeur. Hein? Plus jamais. Quoi? Eh hey gros, c'est quoi ces chaleurs? J'en peux plus. J'ai trop chaud. Sur la tête d'homme, mes aisselles, c'est des piscines municipales. C'est abusé, frère. Ouais, c'est trop, frère. Ouais. Ouais. Y'a un quoi? Oh, il caille. Wesh, il joue à quoi, l'esquimau? Il s'est perdu sur sa banquise ou quoi? Un pingouin, wesh. Oh, frérot, tu fais quoi, mon doudoune? Y'a un peu d'air, là. Il fait trop froid. Hein? Eh hey, vous arrêtez les discussions et vous vous installez. Alors, ma feuille, mon sti... Mais qu'est-ce qu'il fait? Mon plaid... Mais... Oh non, j'ai oublié mon écharpe! Je vais avoir trop froid! Mais on lui a mis un Mr Freeze dans le cul ou quoi pour qu'il ait autant froid, lui? Attends, tu bois quoi? Bah, je bois de la soupe! De la soupe? Bah ouais! Ah, mais j'ai du gazpacho, de la soupe froide! Ah non, non! C'est de la soupe chaude pour me réchauffer! Hein. Pour te réchauffer, mais... Il a envie au moins ton corps? Hein? T'es sûr que les hormones, elles fonctionnent? Que les cellules, elles sont là? Eh hey, monsieur, s'il vous plaît! On peut mettre le chauffage? Mais y a pas d'hésitation à avoir, la réponse c'est non! S'il vous plaît, j'ai trop froid! Mais t'as froid, t'as un corps, c'est un cadavre ambulant, c'est pas mon problème! Quoi? Tu vas avoir chaud, on va faire un sauna! Y'a un cadavre ambulant ici? Tu veux dire qu'il y a Brooke dans la classe? Hey Brooke, je suis trop fan de toi dans One Piece! Quoi? Eh, je stresse trop pour le bac là! La même! T'es allé où ma salle? Pas là, ah c'est là! Eh hey, pep pep! Carte d'identité! Ouais? Tiens? Non mais il s'est pris pour un videur ou quoi ce guignol là? Tu viens faire quoi ici? Passer le bac? Non non, je viens jouer au golf. J'ai vu qu'il y avait un petit peu d'air dans la cour, du coup ça peut être sympa. Du golf? Bah oui, je viens passer le bac.
Il y a tout le lycée qui est en vacances sauf moi. Tu veux que je vienne faire quoi? Du tourisme? Ouais. Allez, entre. C'est bon, tout le monde a une feuille? Oui. Avant de commencer, je vais vérifier les identités. Alors, tourne ta tête. Alors, est-ce que c'est bien lui? Ça fait un an que tu me vois tous les jours, mais Crary, tu sais pas qui je suis. Faut que je vérifie. Oh, faut arrêter le cinéma à un moment donné, hein. Tu serais pas en train de tricher, toi? Quoi? Tu triches? Y'a même pas encore les sujets, comment tu veux que je triche? Je vais voir ta feuille. Ah, y'aurait pas de la tricherie par là? Mais c'est la feuille que tu viens de me donner. Fais voir ton stylo. Mon stylo? Tu me le donnes. Tiens. Y'a pas de réponse dissimulée. Oh. Dans le capuchon. Ouh là là. Ouh là là. Ça va, y'a rien. T'as de la chance. Non mais si je vous dis que je suis pas en train de tricher. Hein, je suis pas très sûr. Lève-toi. Quoi? Lève-toi. Mets-toi en caleçon. Non mais ça va pas. Il cache l'anti-sèche. Mais j'ai pas d'anti-sèche. Tu le caches l'anti-sèche. Non mais c'est quoi son problème à lui? En toute l'année, il est normal. Là, on lui demande de surveiller le bac, ça devient inspecteur gadget. Alors, question 1... Hein? J'ai rien à comprendre. Madame? Oui? Excusez-moi, est-ce qu'il y a possibilité de reformuler la question numéro 1, s'il vous plaît? J'ai rien compris. Oula! Qu'est-ce qu'elle a? Tu me fais la tectonique. Il t'arrive quoi, Britney Spears? Non, mais c'est que... Que quoi? Hein? Mais réponds avec des mots, ma gueule, t'es là, tu me fais des dents, c'est quoi, on est sur Fortnite, là? Je suis sous pression, là, je suis sous pression! Ouais, le frère, qui c'est qui a une Scar? Il y a un topo à faire, là! C'est qui, Oscar? Hein? Qu'est-ce qui lui arrive, hein? Qu'est-ce qui lui arrive, quoi? T'es hôtesse de l'air? C'est quoi, c'est Transavia, ici? Transa quoi? On va direction les Caraïbes? Non, fallait me dire, j'aurais pris un maillot de bain au lieu de prendre des stylos, hein. Non, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Ah, ça doit être la langue des signes, en fait, ici, je sais pas, ouais. Non, mais c'est pas ça, mais c'est que... On est en 1v1 Bill Fight, en fait. Parce que là, vraiment, Bon, c'est bon, soupir, réponds-moi, frère. Non, mais c'est... J'ai pas le droit de reformuler la question, parce que là, c'est une épreuve du bac. Et tu voulais pas le dire dès le début? Je suis timide. T'es là, tu m'enchaînes les danses, là. À croire, c'est un club de salsa, ici. Quoi? Ah, de toute façon, là, c'est simple, c'est les vacances. Je vais faire une routine de fou. Je vais me lever tôt, faire du sport, travailler, faire de l'argent. Et je vais être full productif. Oh, il fait jour. Oh, mais c'est 14h du matin. Oh, je me suis levé tôt aujourd'hui. Qui c'est qui me dérange, là? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Je suis Sandra de l'agence d'intérim. Est-ce que vous êtes disponible pour travailler? Non, désolé, je suis occupé, j'ai rien à faire. Attends, quoi? Bisous. Et Thomas, s'il te plaît, fais ton pain. Et voilà, Thomas qui meurt de chute. Oui, bah c'est bon, j'ai pas fait exprès. Et ouais, mais tu me fais l'alpiniste aussi, pourquoi t'essayes de monter des montagnes? Putain, j'ai quand même bien couru là sur Fortnite, hein. Allez, faut que je reprenne des forces. Allez, on va se mettre une petite vidéo intéressante. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire un bon caca. Parfait. Quoi, quoi, quoi? Eh, ce mec avec son filtre, il me fume de rire. Fumier. Allez, ça fut une journée épuisante aujourd'hui. Faut que je me repose après avoir rien fait. Quoi? Bon bah écoutez, merci beaucoup pour cette année, ce fut un plaisir. Et puis bon courage pour le brevet. Oh non, le brevet, je suis foutue. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, toi? T'as déjà la mention bien avant de le passer? Oui, c'est vrai. Eh non, mais par contre, je fais comment pour apprendre 650 chapitres par matière? J'ai une clé USB, moi. T'as trop dit, t'as trop raison. Dit, en fait. Crary, je suis un disque dur. Oh, mais qu'est-ce que vous avez tous à paniquer? C'est bon, on a le temps pour le brevet. Non mais mec, t'es au courant que le brevet c'est la semaine prochaine? Quoi? Et on panique pas. Hein? On panique pas. Je panique. Madame? Oui? Il est en train de jouer sur son téléphone, lui. Non, Einstein, je joue pas, là. Je révise. Ouais, c'est ça. Depuis tout à l'heure, tu scrolles. Tu dois surtout être sur TikTok. Eh non, Chakigra. Hein? Je scrolle sur Révise. C'est comme sur TikTok, sauf que là, les vidéos, c'est des cours. Et de qualité. Ouais, c'est ça. Puis de toute façon, un truc comme ça, ça doit être payant. Toujours pas. Contrairement à tes 17 stabilos que tu utilises pour faire un Picasso sur ta feuille, l'application, elle, elle est gratuite. Et sans pub. Attends, donc là, je peux scroller comme sur TikTok pour réviser? Voilà, mon ref, exactement. Mais sur la tête d'homme, j'ai les inventions très bien. Oui, bon, calmez-vous. Ça reste qu'une application, c'est pas de la magie. Bah ouais, mais au moins je peux réviser avec des vidéos qui sont adaptées. Puis toi, tu fais les mêmes cours depuis 2005, ça fait pas de toi une magicienne, hein. Quoi? Bon bah bébé, en tout cas, ça m'a fait trop plaisir de t'avoir au téléphone. Ouais, moi aussi, de fou, de fou. Bon bah, je pense que ça va être l'heure de raccrocher. Ouais, ça va être l'heure là, il est tard. Allez, je te laisse raccrocher en premier. Ok. Non mais il est sérieux lui? Non mais alors là, sur la tête d'homme, je le rappelle, ça va gueuler. Ouais les gars, sur moi, sur moi. Mais elle veut quoi?
quoi? Allô? Tu joues à quoi, gros bolos, ça me raccrochait au nez? Tu viens de me dire qu'il fallait que je raccroche? Ben non, fallait pas raccrocher. Fallait que tu me dises que c'est moi qui raccroche en premier, comme ça on raccroche pas. Comment ça, faut que je te réponde ça? Tu crois on joue à un jeu de société, là? Ça s'appelle la galanterie, gros naze. Mais attends, 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 c'est la meilleure, celle-là. Oh, je suis en top 1 Fortnite, j'essaie de rentabiliser un skin que j'ai acheté 1500 V-Bucks, et tu viens me déranger pour des galettes de riz? Quoi? J'ai dit la galanterie! Eh, c'est pas le sujet! D'ailleurs, ça te ferait pas de mal de manger 2-3 galettes de riz. J'ai vu ton profil sur Tinder, tu ressemblais à Shakira. Je t'ai vu dans la vraie vie, on aurait dit un flambé ambulant. Dès que je suis un yaourt. Alors déjà, estime-toi heureuse que je t'ai adopté dans ma vie. Parce que ça tiendrait qu'à moi, tu serais à la FPA, cette heure. Il y aurait une famille qui est en train de t'adopter. Quoi? Allez, réveille-toi, là. Allez, debout, vite. T'es un colonel ou quoi? Bon, dépêche-toi, aujourd'hui, c'est ta journée d'appel. Ma journée d'appel? Oui, t'as 16 ans, donc t'as ta journée d'appel. Mais je commence ça, journée d'appel? Je suis qui? Je suis SFR, moi. Mais non, tu vas la journée entière à l'armée. À l'armée? C'est ça, la journée d'appel. Je vais pouvoir faire des dérapages avec des tanks. Quoi? Let's go. Mais non. Mais attends, imagine, je sais pas tirer. Eh bah, tu pointeras. Mais comment tu veux que je sache pas tirer, frère? J'ai fait 100 000 top 1 sur Fortnite. Bonjour, c'est ici l'armée. Hop, hop, hop. Garde à vous, chef. Garde-toi, chef. Quoi? Bon, allez, tu dégages avec le groupe des cassos là-bas. Ok. C'est qui, ce guignol? À plus d'en bus. Hein? Et y'a tout le monde, c'est Dylan. Quoi? Eh, dépêche-toi de t'asseoir, toi. Avec ta gueule de cul. Ça va. Bon, tout le monde va se présenter. Et c'est toi, guignol, qui va commencer. Moi, je m'appelle Dylan. Aujourd'hui, je viens pour appeler un maximum de personnes, hein, et surtout faire des drifts avec des tanks. Quoi? On passe au test de français? Est-ce qu'il y a un H dans le mot lapin? Hein? Mais pourquoi il y aurait un H dans lapin? Tu réponds sur ton ardoise. Est-ce qu'il y a un Y dans crocodile? Quoi? Un Y dans crocodile? Oui, c'est la question. Non mais madame, tu te trompes, on prend un colmon là. Pardon? Ils sont où les Kalachnikovs? Ils sont où les tanks? Non mais c'est pas Call of Duty ici, tu viens pour faire des tests. Quoi? Eh oui, Astérix. Eh ben sur la tête, toi, je me casse. Je me casse. Quoi? C'est long le temps, il passe pas. Hein? Ben, pourquoi il me regarde ce guignol? Pourquoi il me fixe lui? Ah, mais comme je le regarde autant, il croit que je suis en train de tricher. S'il me regarde, c'est parce qu'il triche. Allons voir ça. Alors, où est la triche? Peut-être sous sa feuille? Il veut quoi, lui? Il a de la chance, j'ai rien vu. Monsieur? Oui? Est-ce qu'on peut ouvrir un petit peu la fenêtre, s'il vous plaît? Il fait chaud. Ah, tu veux qu'on ouvre la fenêtre? Oui, s'il vous plaît. Ce serait pas pour qu'il y ait quelqu'un qui crie les réponses à la fenêtre, peut-être? Bah, non. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, si on peut pas ouvrir la fenêtre, est-ce qu'on peut avoir au moins un ventilateur, s'il vous plaît? J'en peux plus. Oui, un ventilateur. Pour que ça fasse du bruit et que tu puisses me chuchoter avec tes camarades pour tricher. Mais monsieur, on est en juin, il fait 34 degrés, il y a tout qui est fermé, j'ai juste chaud. Tiens d'ailleurs, donne-moi ton stylo. Mon stylo? Oui. Tenez. Je les connais, les filous comme toi. Hop, ça, ça m'appartient. Et t'écris avec ça. Non mais monsieur, je vais pas écrire pendant 4 heures avec une mine de stylo. Je sais que très bien que t'es en train d'essayer de tricher. Quoi? Avec toutes ces tentatives là, hein. D'abord tu me regardes, tu veux passer par la fenêtre. Ouais. C'est des techniques, ça. Je connais, je connais. Attends, mais je fais comment avec ça, moi? Mais oui, mais c'est logique. Enlève-moi ton t-shirt. Mon t-shirt? Je sais très bien que c'est ton t-shirt qui a une anti-sèche. Lâchez mon t-shirt. Donne-moi ton t-shirt. Oh, hein. Les gars, je me fais rush. Ah ouais? Les gars, je me fais rush. J'arrive. C'est quoi, ça? Coucou, Mehdi, je vous envoie un petit message. Vous allez trop manquer l'année prochaine. Vas-y, prends ton clairon, toi. C'est qui, vas-y, ça? Bref, les gars, venez, venez. Mais non, scope. Plus de 3. Frère, sois focus. C'est quoi ça encore? Moi aussi, je vais vous dire un petit mot pour les grandes vacances. Ça y est, frère, on l'a compris. Spamélo, allez, spamélo. Allez, allez, les gars, on peut le faire. Godopin, Godopin, tire. Encore? C'est qui lui parle? Sachez que vous êtes de super rencontres. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite et surtout pas de diarrhée pour cet été. Eh non, là, c'est trop. Eh, frère, attendez-moi 2 secondes. Hein? Oh, ça va, les focus, je vous dérange pas. À ce moment-là, renommez le groupe. Enlevez 5ème 5 et mettez Foculande. Hein? L'autre elle est là, ah vous allez trop me manquer. Mais là ferme Léa, ferme ton crâne. Quoi? La tête d'homme tu ressembles à une phalange. Qu'est-ce que tu m'ouvrir ton bec, frère? Tu vas manquer à personne ma gueule. C'est pas sympa. Et l'autre elle est là, ah je vous souhaite plein de bonnes choses. Mais là ferme. Pardon. Oh, toute l'année frérot, de septembre à août tu m'as regardé de travers. Qu'est-ce que tu me souhaites du bien? Après hein? Avec tes gros chicots là, on dirait un Yorkshire qui monte les dents chaque fois qu'on passe devant toi. D'ailleurs, c'est pas des chicots que t'as, c'est des pioches Fortnite. La tête doit mais bouger de là, là je suis en game Fortnite, laissez-moi tranquille. Non mais ça va pas. Ils ont viré cette classe. Aïe aïe aïe, j'ai déjà envie de faire pipi. Hein? Va falloir que je me retienne pendant 2 heures. Alors, regardons le sujet. Ouais, je sais quoi, ces questions infinies là. Frère, pose-moi une ou deux questions. Là c'est une interview combinée.
Qu'est-ce qu'il a, lui? Monsieur, je peux avoir une autre feuille, s'il vous plaît? Non mais frère, c'est la quatrième feuille qu'il prend en 30 minutes! Non mais la tête de homme, il va utiliser le papier pour refaire l'isolation de sa maison, c'est pas possible! Wesh, quatre feuilles! Même pour m'essuyer le fiac, je prends pas autant de papier! Wesh, c'est quoi tous ces stylos qu'elle a, elle? Elle compte ouvrir un Cultura ou quoi? C'est pas possible! Du bleu, du rouge, du orange, du violet, wesh, ça y est, frère! Elle compte changer de couleur à chaque phrase ou quoi? Hein? Attends, c'est quoi ce bruit? Ça vient d'où? C'est quoi ce... Ah, c'est là-bas! Wesh, mais elle joue à quoi, elle? Normalement, tu surlignes 2-3 trucs importants. Elle a surligné toute la feuille. Faut qu'elle aille faire un CAP peintre. Qu'est-ce qu'elle fait au brevet, elle? C'est carré, le S. Je suis dans le carré à S. Louis Vuitton, je paye. Ouais, je joue à quoi, là, frère? Je suis en train de passer le brevet. Je suis un ouf, moi. Eh, mon cerveau, concentre-toi, frère. Si je le rate, je finis au goulag. Bon, il reste combien de questions? Wesh, il reste encore tout ça? Eh, vas-y, moi, c'est trop, monsieur, j'y vais, hein. Brevet, pas brevet. Moi, je vais en vacances. Quoi? C'est ça le sujet, là? Ouais! Alors, question 1. Identifier la nature du document. Comment ça, la nature? Ben, la nature! C'est quoi? C'est un document, c'est un yaourt, frère! Quoi? Question 2. Décrivez l'affiche en montre... Comment ça, décrivez l'affiche? Excuse-moi, Jules César! Moi? Les gens qui vont corriger mes copies, là! Ouais! Ils sont pas aveugles! Bah, non! Donc, ils auront vu l'affiche! Oui, bah oui! Bah, si, ils ont vu l'affiche! Ça sert à quoi que je la décrive? Quoi? Après, c'est quoi? Géométrie? On n'est pas en épreuve d'histoire, là? Pourquoi géométrie? Non, mais c'est géographie! Ah, géographie! Bah oui! D'accord. Avec un exemple de votre choix, présentez les atouts et les dynamiques des espaces de faible densité. La tête gauche parle d'Mbappé! Mbappé quoi? Mbappé, petit espace, virgule, petit pourcent, ça fait but. Bon, bah ça y est, j'ai tout fait. EMC? Wesh, histoire et géométrie, ça suffisait pas, il y a EMC? C'est toujours géographie, hein. Ouais, c'est pareil, frère. Ils veulent quoi, l'EMC? Présente-toi ou vote pour élire tes représentants? C'est mon moment! Votre attention, s'il vous plaît! Qu'est-ce qu'il fait? Je me présente, je m'appelle Dylan, je suis beau, intelligent, musclé, et je suis parfait pour être un président! Non mais Dylan, tu fais quoi, là? Je réponds juste à la question, ils ont demandé de se présenter! Non mais présente-toi sur ta feuille! Faut que tu répondes à l'écrit! Non mais vas-y, ils sont jamais contents, de toute façon! Quoi? Frère, t'as réussi l'épreuve de français? Comment tu veux que j'ai réussi, frère? Elle nous fait faire une dictée! On est en 2011 pour faire une dictée! C'était pour voir si tu sais orthographer! Ah mais moi, j'ai pas besoin de savoir orthographer, hein! Ah, y a l'autocorrecteur sur l'iPhone. Ah ouais. Eh ouais, malinx le lynx. Bah, vous vous taisez, l'épreuve de maths va commencer. Ça marche, madame. Exercice 1. Un opticien vend différents modèles de lunettes de soleil, montrer que l'étendue des prix de ses paires est de 85 euros. Mais je suis qui, en fait? Je suis optique 2000, moi. Bah, comment ça? Elle a une part de ses lunettes, frère, c'est pas mon problème, moi. Eh, vas-y, bref, exercice 2. Montrer que l'aire du rectangle BCDE est égal à 29,4 cm². Mais comment ça, du gaz à centimètre carré? C'est quoi, c'est un appât ou c'est de l'oxygène? Hein? Je sais pas qu'est-ce qui me baragouine à ce brevet. Exercice 3. Dans une classe de 25 élèves, 60% des élèves sont des filles. Combien de filles y a dans cette classe? Eh, je sais pas combien ils sont dans cette classe, hein. Mais si on parle des filles de ma classe, en tout cas, elles sont toutes moches. Quoi? Moi, je suis la seule qui est belle. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu ressembles à une Clio 2, toi. Quoi? Eh, vas-y, ça commence à me saouler. Exercice 4. On veut fabriquer un escalier en bois. Montrer qu'il faut prévoir 16 marches pour construire cet escalier? Eh, mais c'est quoi ces questions de Golemont, là, madame? Eh ben, ce sont les questions de l'épreuve de maths du brevet! Eh ouais, mais c'est eux, ils me parlent d'opticien, ils me parlent de gaz avec EDF, hein? Ils me parlent d'escalier! Et alors? C'est quoi, si je viens passer le brevet ou je viens me pointer à Pôle emploi, là? Quoi? Hop, je crois que c'est tout bon. Bon, bah, tenez, je vous rends ma copie. Ok! C'est bon, je peux y aller? Ouais, dégage! Yes. Oh, les gars, comment j'ai géré ça? Sur la tête d'homme, brevet mention très bien cette année! Ouais, c'est ça! Y'a que moi qui aura la mention très bien. D'ailleurs, j'ai déjà corrigé. Ah ouais? Fais voir. J'ai pas fini de voir. C'est quoi la réponse 1, s'il te plaît? La réponse 1, c'est l'Angleterre. Hein? Bah, qu'est-ce qu'il y a? T'as pas répondu ça? Non. Attends, mais comment j'ai pu répondre moins 14, moi? C'est quoi ce délire? Ouais, j'avais dû mettre pareil. Et la réponse 2? La réponse 2, c'est les flux migratoires. C'est logique. Mais pourquoi j'ai répondu moins 3x, moi? Attends, t'es sûr que c'était la correction de l'histoire, ça? Bah oui, c'est la correction de l'histoire géographie. Ok. Et par pur hasard, hein. Ce serait quoi la réponse 3? Oh, mais t'es pénible! Réponse 3, c'est 14-18. Mais pourquoi moi j'ai répondu trigonométrie, frère? Bah parce que t'es un gros naze. Mais de toute façon, c'est tout le temps pareil. À chaque fois, il sort des corrigés et en fait, c'est tout faux, la correction. N'importe quoi, c'est le corrigé officiel. Ah, je te dis qu'elle est fausse, la correction. Et quoi que tu comprends pas? Bah c'est le ministère. De toute façon, c'est que des incapables qui font les corriger. Quoi? Wesh, enlève-toi, la skateuse. Je ride, mec.
Bonjour madame. Bonjour. Excusez-moi d'une manière excusante. Hein? Sous les résultats du baccalauréat. Là. Alors vous allez sur votre droite regarder les tableaux s'il y a votre nom, si vous êtes admis au bac. Merci beaucoup madame. De rien. Sachez que même si je suis pas admis au bac, vous êtes admise dans mon cœur. Quoi? Allez dégage, va voir les tableaux. C'est bon, j'y vais. Malade. Relou elle. Ouais. Ouais. C'est quoi ce rassemblement de plouc là? Bah c'est tous les élèves qui vont voir leur nom au tableau. Et je suis comment pour voir mon nom d'ici? Moi je suis quoi? Je suis un sniper? Bah il faut que tu fasses la queue enfin. Eh écoute-moi ma copine. Déjà je me lève un matin alors c'est des grandes vacances. Et en plus tu me dis je dois faire la queue? Bah oui. Mais tu crois que c'est Disneyland ici ou quoi? Sur la tête d'homme j'ai utilisé ma technique. Ta technique? Regarde bien. Oh, ça joue. Sur la tête d'homme tous les tableaux pour moi tout seul. Alors il est où mon blaze? Dylan, Ben, pourquoi on passe au E? C'est où Dylan? Madame, y'a pas de Dylan! Ah bah si c'est pas écrit, ça veut dire que t'as pas ton bac! J'ai pas mon bac? Non! Et bah alors, la boule puante, on a pas son bac! T'avais qu'à pas me péter dessus, gros naze! Quoi? Attention, sur la tête d'homme, le bac c'est juste un bout de papier! Hein? C'est qu'un bout de papier! Quoi? Je suis fatigué! Oh non! Mais non! C'est bon, il est parti. S'il se rendort, je retourne le piquer. Oh. Allez, je peux y aller. Non mais vas-y, frère. Oh, toute la journée, tu peux me piquer. Faut que tu viennes quand je suis en train de dormir, ma gueule. On fuit. Il est où, là? C'est trop, ces moustiques, frère. Va t'acheter des amis, ma gueule. Quoi? Moi, j'ai pas d'amis. Tu te rendors, je t'arrache le fou. Allez, sur la tête, toi, je te chauffe, je te casse en deux, ma gueule. Faut fuir. Comme je cherche dans toute la baraque. Il est où? Je vais l'allumer, frère. Ah, mais attends, je vais lui faire une feinte. Et bien que quand je suis en train de dormir, la tête d'homme, je vais faire semblant de dormir. Allez, moi, je retourne dormir, hein. Allez, hop, tiens. Alors? Ça fait une heure, c'est dans mes oreilles. Je vais te faire dire un enfer, ma gueule, un enfer. Allez, maintenant, tu passes par la fenêtre, tu dégages. Malade, ces moustiques, là. Croire, il paye le loyer, frère. Madame, on vient d'avoir la prof d'histoire, elle nous a fait faire un Monopoly, et la prof de français nous a fait regarder un film. Vous nous avez prévu quoi, vous? Bah, c'est tout ce que vous avez fait? Ouais. Moi, je vous ai prévu encore mieux que ça. On va jouer au Uno? Non. On va aller à Disneyland? Non. Bah, on va faire quoi, alors? Attention, vous êtes prêts pour la surprise? Oui. Tada! 800 exercices. Quoi? Que des nouveaux en plus qu'on n'a jamais fait. Mais c'est pas une surprise ça. Ça c'est pour Lucas, hein? Ça c'est pour Mathilde, hein? Tiens Eva pour toi. Non mais madame, ça y est, l'année elle est finie, on va pas faire des exercices. Ah bah non, l'année elle se termine ce soir à 18h. Sauf que nous, on finit à 17h. Et non, parce que de 17h à 18h, t'auras un DM à me rendre. Quoi? Mais attends, le principe d'un devoir maison, c'est que je le fasse à ma maison. Exactement. Sauf que comme tu passes plus de temps à l'école que chez toi, l'école, c'est en partie ta maison! Non mais madame, ça y est, là, depuis septembre, on fait des exercices non-stop! Oh, c'est le dernier jour de l'année, on peut au moins se reposer un peu, non? Allez, maintenant, tu la fermes et tu fais tes 600 exercices! On va s'avancer pour l'année prochaine! Bah toi, si tu veux avancer pour l'année prochaine, tant mieux pour toi! Moi, je recule et je me casse en vacances! Bon, tu voudrais pas une petite heure de colle? Une heure de colle? Mais de toute façon, le lycée, il sera fermé! Je pourrais pas y venir à ton heure de colle! Ouais, c'est pas faux! Sauf si j'ai les clés du lycée! Quoi? Oh gros, ça y est, c'est enfin les vacances. Ah ouais. Ah, j'en pouvais plus. Ah mais vraiment frère, la même. C'est quoi ce bruit de fou là? Je crois que c'est le PMU. Le PMU? Ouais. Fais voir. Allez, je vais le 17, allez. Et j'ai tout misé sur toi. Pourquoi il crie sur une télé? Il est débile ou quoi? Mais 3 RSA, je les ai mis sur toi là. Ah gros, il t'arrive quoi à crier sur un cheval là? Mais parce que c'est le tiercé, s'il arrive premier, je gagne. Mais il s'est fait doubler, mais j'ai perdu. Ça c'est à cause du noir. Quoi? Mais attends, mais gros, mais c'est raciste, ça! Oui, je suis raciste! T'es raciste? Oui. Hein? T'es raciste? Oui. Non, mais gros, t'es sérieux, là? Mais je parlais du cheval noir! Oh, bah c'est bon, ça va. C'est juste une couleur! Et bref, dans tous les cas, toi, tu t'étonnes de perdre. Mais c'est nul, les jeux d'argent, tu gagneras jamais! Y'en a plein qui sont devenus millionnaires comme ça, hein! Sauf que toi, tous les dimanches, tu mises ta maison sur des chevaux et qui te rapportent même pas un seul centime! N'importe quoi! Ça fait plein de fois que j'ai gagné de l'argent, même! Et bah, tu sais quoi? Je te parie ce que tu veux que t'arrives même pas à survivre 24 heures avec 20 euros de jeu à gratter! T'auras même pas assez pour t'acheter de l'eau! Bah, quand même, je pense que j'arrive à survivre! Bah, franchement, ça m'étonnerait, hein! Et d'ailleurs, toi, tu penses que c'est possible? Pour avoir la réponse, va sur ma chaîne YouTube. J'ai testé de survivre 24 heures avec 20 euros de jeu à gratter. Va voir le résultat. Quoi?
Putain, mais vas-y, là, ça fait ça, là! Pourquoi il râle, lui? Il t'arrive quoi, gros? Mais parce que, en plein soleil, il fait trop chaud! Bah, mets-toi à l'ombre! Eh ben non! Si je vais à l'ombre pour bronzer, autant rentrer, ça sert à rien d'être dehors! Bah, rentre, frère! Oh! En plus, frère, j'étais au soleil, je vois plus rien dedans, maintenant, là! Bah, assis-toi sur le canapé 2 secondes, le temps que ça revienne! Ouais, vas-y! Bah voilà, pas compliqué, arrête de râler! Oh non! Qu'est-ce qu'il y a encore, là? Bah, comme je transpire, je colle au canapé! Oh non, mais arrête de faire la princesse là. Mais ouais, mais frère, il fait trop chaud dans l'appart aussi. Eh ben ferme les volets, au moins il fera pas chaud. Ouais, vas-y, je ferme. Ah, oh, j'avoue, il fait plus frais. Ah mais non, mais je vois plus rien maintenant, il y a plus de lumière. Oh là là, mais c'est pas possible, il a toujours un truc là. Eh ben laisse ouvert et fous-toi un ventilateur dans le cul, je sais pas. Bah c'est bon, j'ai ouvert, je me mets sous le ventilo. Oula, mais ça fait trop d'air quand il est à fond. Oh là là, je vais le monter en l'air. Eh ben si sur 3 ça fait trop d'air, mais le sur 1. Ouais, vas-y, je le mets à 1, sinon ça va me faire mal à la gorge. Ah ouais, mais sur 1 il fait quasiment pas d'air. Mais là c'est bon, c'est trop, tu te casses de chez moi. Hein? Tu te casses de chez moi. Quoi? Et Dylan? Ouais, dis-moi. Bah en fait, pourquoi t'es gros? Non, je suis pas gros. En fait, je suis tellement musclé que ça déborde. Ah d'accord, mais t'as quand même beaucoup de graisse pour quelqu'un de musclé. Oh le bâtard. Et pourquoi les arbres, ça crée du vent? Ah, non, c'est pas les arbres qui créent le vent, c'est juste le vent qui fait bouger les arbres. Et pourquoi les feuilles, elles sont vertes? Oh, bah, c'est comme ça, c'est la couleur des feuilles. Hein. Et pourquoi le corps de l'arbre, il est marron? Pareil, c'est vraiment la couleur du tronc. Et pourquoi le tronc, il s'appelle... Bon, va regarder Peppa Pig, vite fait. Où? À la télé, il y a Peppa là-bas. Ah d'accord. Voilà. Bon, par contre, tu te tiens correctement, on va à la caisse, là. Donc, tu restes mais ici. Mais pourquoi la dame, elle a une moustache? Quoi? T'as dit quoi, toi? Eh, faut pas dire des trucs comme ça, hein. Désolé, madame. Moi, j'ai ta moustache? Bah oui, t'en as. Désolé, hein. C'est quoi, ces gosses? Eh, dis pas des trucs comme ça, ma gueule. Eh, pourquoi on reste là? Bah, parce qu'on attend le bus pour rentrer à la maison. Et pourquoi on rentre à la maison? Bah, on rentre à la maison parce qu'on vient de faire des courses, donc faut les mettre au frigo. Et pourquoi on fait des courses? Allez. Toi, tu vas passer sous le bus, personne va le voir. Quoi? Vas-y, les gars, mettez-vous prêts, on va en squad. Eh, les gars, écoutez-moi, j'ai une question pour vous. Vas-y, vas-y. Est-ce que pour 1 million d'euros, vous boxez votre grand-mère? Je lui mets même un uppercut, frère. Non, t'abuses, frère, t'abuses. Comment ça, j'abuse? Jure que tu le fais pas? Mais non, wesh, moi, je suis un gars sympa. Ah ouais. Sale fiote. Mais t'as pété les plombs ou quoi? 1 million d'euros sur la tête d'homme, je deviens Mike Tyson. Elle se prend une pêche, elle s'envole aux Maldives. Je sais pas vous les refs, moi je suis full stuff là. Ouais, moi aussi. Eh les gars, j'ai une blague de fou pour vous. Ouais. Qui est-ce qui est jaune et qui attend? Jonathan. Du coup, il y a une aire bleue sur moi, les mecs. Non. Les gars, ouais, arrêtez. Tu sais qu'il souffle son micro, ouais, là. Hop. Les mecs, arrêtez ça. Ouais, de fou. Ouais, vous êtes des gamins. Oh, les gars, gamins, ça, des gamins. Putain, ouais. Oh, vous saoulez, là. Je sais très bien que c'est toi, je suis de crier, là. Ah, d'ailleurs, Mathieu. Ouais. C'est pas ce qu'il m'a dit, Tom. C'est qui, Tom? Tom Père. Bon, les gars, je joue, mais je coupe le vocal, il y a ma meuf qui m'appelle, là. Vas-y, je reviens après. Eh, c'est trop, eh, toi, t'es piqué, toi. Ça y est, une meuf, t'existe plus. T'es trop fragile, toi. Eh, casse-toi, là. Les gars, sur moi. Les gars, je me fais rush. J'arrive, frère. Oh, là, je suis mort. Oh non, mais vas-y. Et voilà, on est tous morts. Eh, hey, Lucas, c'est ta faute, frère. T'es là, t'es pas concentré. Je suis au téléphone, ma gueule. C'est toi, tu rushes pour rien, là. Eh ben, c'est quoi, ta meuf, elle est trop moche. Quoi? Sur la tête, d'homme, on dirait l'âne de Shrek. Quoi? Mais tu crois que t'es beau, toi-même? Quoi? Mais c'est chicon, on dirait un passage piéton. Quoi? Oh, putain, j'ai trop chaud, faut que j'aille me baigner. Mais j'ai pas de piscine. Mais j'ai qu'à demander à Jules. Il en a une de piscine, lui. Allez, je l'appelle. Allô, Jules? Allô? Ouais, c'est César. Je connais pas de César, moi. Non, je rigole, c'est Dylan. Et du coup, ça faisait Jules César, c'est drôle. Mais pourquoi tu m'appelles, toi-même? Tu veux quoi? Non, je t'appelle pour prendre de tes nouvelles. Mais t'es bête ou quoi? On est en embrouille, t'es pas mon pote, toi. Tout de suite, les grands mots. C'est pas parce que je t'ai taclé les 2 pieds décollés en plein centre-ville que tout de suite on est en conflit, fin. Hein? Eh, poteau, tu faisais le beau, je t'ai balayé devant tout le monde, tu marchais comme Michael Jackson. Oh, ça va, Jules. Vas-y, tais-toi. C'est quoi? C'est depuis que tu joues en équipe de France, t'as pris la grosse tête? Hein? Mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Non, par rapport au nom Jules Koundé. Eh, je sais pas, tu veux quoi? M'appeler pour faire l'humoriste, toi et moi, on est pas potes, donc dégage. Et dis-moi, mon petit Juju. Quoi? Tes parents, ils habitent toujours au même endroit? Hein? La villa avec piscine? Ouais. Elle est à combien l'eau exactement? Pourquoi tu me parles d'eau? Bon non, comme ça. Et du coup toi, qu'est-ce que tu deviens? Mais j'ai rien à dire. Bon toi. je te coupe hein. Ce qu'on fait, c'est que je viens chez toi cet après-midi me baigner. Quoi? Et puis tu me raconteras tout ça autour de la piscine. Hein? Ok? Bah non. Allez, je ramène de l'orangina. Mais c'est un malade. Bisous Juju. Quoi? Ah, il faut un petit peu s'imposer dans la vie. C'est trop lourd. C'est où faut que j'allâtre là? Ah c'est là.
Bonjour madame. Bonjour. Je vais rendre mes manuels. Ça marche, entre. Du coup c'est comment, vous vous appelez Brigitte ou... Ouais, je suis sérieux lui. Non, Emmanuel, Macron, Brigitte. J'avais compris, c'est pas drôle. Ah, allez va t'installer là-bas là. Ça marche. Oh putain, mais c'est trop lourd, je dois faire 20 kilos le sac. Oh, vous voulez commander en ciment les livres ou quoi là? C'est quoi en fait? T'as fait un bac pro humoriste? Hein? Dépêche-toi de sortir les livres là. Ok, détends-toi ma gueule. Ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Bon tiens Johnny, examine le livre. Je suis sûr qu'il a plein de défauts ce livre. Fais voir les coins, les plis, le dos. Là, le coin, tu l'as plié. Donc la caution, elle saute. Comment ça la caution? La caution, le chèque, l'argent, la plata, l'euro, les dineros, tu comprends? Donc là tu vas me dire que les 5 briques de ciment qui me servent de manuel, il y a une caution dessus? Tout à fait. Mais tu crois que je t'ai loué un RS3 ou quoi, toi? Un RS3? Déjà, je viens me déplacer pour rendre des livres qui me servent à rien parce qu'ils ont même pas servi à avoir des bonnes notes. Et en plus, tu veux me prendre de l'argent dessus? C'est la caution qui saute! Mais toi, je vais te monter en l'air, Brigitte Macron, là! Quoi? Putain, c'est la galère, il fait chaud, y a rien à faire. Chou, les voisins, ils se baignent. Mais faut juste que j'arrive à aller chez eux. Oh, en plus, ils font des sauts. Ça se voit que l'eau, elle doit être trop bonne, vu comment il fait chaud. Faut que je me fasse remarquer, comme ça ils vont entendre. Wouh, il fait chaud! C'est la clavicule aujourd'hui! Bon, il faut que je trouve une autre solution. Je me rapproche de leur jardin. Ouh là là, mais quelle température tempérante aujourd'hui! Wouh, il fait très chaud! Putain, mais il faut faire exprès là! Tu sais quoi? Là, j'ai trouvé la solution. Ouh, les voisins, vous voulez pas inviter votre voisin le plus beau et le plus BG dans votre piscine? Mais répondez-moi! Vas-y, là, c'est bon, c'est ma dernière chance, là. Allez! Par pitié, laissez-moi mettre un orteil dans votre piscine. Je suis en train de fondre sur ma chaise. Je transpire même du fiax et du jamais vu, s'il vous plaît. Eh ben, sur la tête d'homme, j'espère que la piscine, elle est trouée. Comme ça, dans 2 semaines, vous aurez plus d'eau, vous comprendrez ce que c'est. Mais maman, s'il te plaît, achète-moi les bonbons. Pour la 3e fois, je t'ai dit que non, tu n'auras pas de bonbons. Moi aussi. T'as vu l'état de tes dents? T'as que des caries. La dernière fois que t'es allé chez le dentiste, il se demandait si c'était un enfant ou un piano qu'il avait devant lui. De toute façon, c'est trop nul, le piano. Tac, tac, tac. Madame poil au cul? Non, mais enfin, Tiliane, on parle pas comme ça aux gens. Excusez-moi, madame. Mais maman, c'est ma maîtresse. Elle s'appelle Madame Poil au cul. Chut! Moins fort! Bonjour, madame. Bonjour. Comment ça, madame Poil au fiac? Mais qu'est-ce que vous faites là, madame? Bah, c'est-à-dire que je fais mes courses, quoi. Donc, vous êtes en train de me dire que vous aussi, vous faites des courses? Oui, voilà. Ça veut dire que vous habitez pas dans l'école. Non, 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 j'habite pas dans l'école, j'ai une vie à côté, un mari, une maison. Il est con ou quoi ce mioche? D'ailleurs, madame, vous avez acheté plein de PQ. Hein? Vous avez la diarrhée ou quoi? Non mais enfin, Dylan! C'est vrai, regarde tout qu'est-ce qu'elle a. Elle peut s'essuyer pendant au moins 6 mois avec tout ça. Bon, écoute, Dylan, t'es bien mignon, moi j'y vais, hein, ok? Allez, à lundi. J'ai hâte de te revoir. Au revoir, madame, à lundi. Bon, maintenant, Dylan, tu te dépêches, nous on y va, là. Attends, maman, il y a Thomas. Hé hey, Thomas, ouais. Là-bas il y a madame poil au cul avec plein de PQ. Quoi? Je m'ennuie. Putain, c'est déjà 3h du mat. En plus j'ai trop faim. Je vais essayer d'aller manger sans faire de bruit. Hep hep hep, dilemme. Est-ce que je prends mes claquettes ou j'y vais pieds nus? Ah, pieds nus ça devrait le faire. Allez maintenant, l'épreuve de la porte. Pourquoi tu fais du bruit comme ça ma gueule? Hé, hey, la journée tu fais pas de bruit. Pourquoi la nuit tu fais du bruit? J'ai une nouvelle. Oh là là, je suis dans le noir, il faut que j'allume. Mais si je mets le flash trop fort, ça va réveiller tout le monde. Bon, tu sais quoi, je connais la maison, dans le noir ça devrait le faire. Ah, mon orteil, mon orteil, mon orteil. Il est pas cassé. Oh, tu joues à quoi le canapé? Tu veux qu'on fasse un combat des mémas là? Maintenant, il faut ouvrir doucement le frigo. Putain, mais y a rien de bon à manger là. Faut que j'aille dans le placard. Mais ça va faire trop de bruit. Ok là. C'est l'épreuve finale. Ouais! Ouais! Hey Dylan, si t'es dans le placard à cette heure-ci, je te fracasse! Je suis juste somnambule! Hein? Je suis somnambule! Quoi? Dans la vie, on fait caca. Dylan! Oui? Ah, t'es là, je te cherchais. Bon, comme c'est les vacances, je t'ai fait une petite surprise. J'espère que ça va te plaire. Bon, comme j'ai bien travaillé, c'est une PS5? Non. Une PS4? Non, non, non. Un PC? Et non. C'est quoi alors? Attention, tada!
un cahier de vacances. Hein? En plus, je t'ai pris le plus gros, celui qui a le plus d'exercices. Mais maman, ça fait un an que j'ai des cahiers dans les mains tous les jours. C'est enfin les vacances, laisse-moi tranquille. Écoute-moi bien, mon coco. Ça fait une semaine que t'es en vacances, tu te lèves déjà à midi tous les jours et en plus, tu fais que de jouer à la play. Tu crois que t'es Gotaga pour avoir train de vilain? Quoi? Mais je suis en vacances. Toi, quand t'es en vacances, t'arrêtes de travailler. Bah moi, c'est pareil. Tu me donnes un cahier de vacances, ça va pas ensemble, cahier et vacances. Hé, pépé, Bart Simpson, maintenant tu la fermes et t'apprends par cœur tout ton cahier de vacances. Niveau terminal? Mais je suis en sixième. Bah parce que lui, ça y est, une semaine de vacances, il se croit déjà à Punta Cana sous les cocotiers avec 2-3 danseuses. C'est pas la vie d'un loca ici. Maintenant, tu m'écoutes, ton cahier de vacances, tu l'apprends par cœur. Et si à la rentrée, tu sautes pas 3 classes minimum, t'es viré de la maison. Quoi? Commencez à en avoir marre, ces chômeurs là. Donc là maintenant, en plus d'avoir un cahier pendant que je suis en vacances, j'ai carrément la vie scolaire à la maison. Quoi? Bonjour monsieur. Mais bonjour. Je viens pour m'inscrire au rugby. Toi faire du rugby? Oui. Mais t'es une brandy, con. Il va se prendre un bouchon et finir à l'éventail. Je te taquine, jeune. On est très taquin en rugby. Allez, viens, je vais te présenter les autres. Chouette. Ouais. Ouais. Oh, qu'est-ce qui se passe, Mathis, merde? Mais il vient de me toucher les fesses. Oh, mais ça sert à rien, jeune. C'est comme ça qu'on se dit bonjour au rugby. Ah bon? C'est une drôle de salutation, tout de même. Oh, t'entends, jeune? C'est le bruit des vestiaires, ça. Et puis je monte sur mon tracteur. Bon, en tout cas, ils doivent être doués en agriculture avec tous ces tracteurs. Et la biscotte. Ah, il y a une biscotte, c'est l'heure du petit-déj. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ah, c'est le jeu de la biscotte, con. Tout le monde se lustre le sabre, et le dernier qui envoie la mayonnaise sur la biscotte, il la mange. Quoi? Mais c'est dégueulasse. Mais non, jeune, c'est rigolo, c'est les copains. Et d'ailleurs, viens voir, c'est la troisième mi-temps. Bah, y a pas deux mi-temps comme au foot au rugby? Hein? Bois. Il vient donc qu'il y ait un litre de bière cul sec? Ah, c'est une sacrée descente, hein. Mais les garçons! Et lui, il casse des glaçons avec sa tête? Regarde, il saigne du front. Eh non, là, c'est trop. Eh, plus jamais de ma vie, je vais en rugby. Hein? Plus jamais. Quoi? Oh, purée de pommes de terre. Oh, j'ai trop envie de faire pipi, là. Vite, 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 faut que j'y aille. Je peux savoir où tu vas comme ça? Mais depuis quand il y a la douane à la sortie de ma chambre? Réponds à ma question, tu vas où là? Je veux juste aller faire pipi, moi. C'est bien ce qui me semblait. Bah, la pisseuse, elle va ouvrir les yeux. Si tu vois, je viens de laver le parterre là. Donc t'as toute la journée pour aller aux toilettes? Tu vas pas quand le sol il est mouillé? Mais je viens de sortir, j'ai même pas encore vu que c'était mouillé. Et en plus, tu crois que je décide quand j'ai envie de faire pipi ou quoi? Eh bah, tu te retiens. Là, je viens juste de laver, t'attends que ça sèche. Je vais pas te mettre une couche non plus, non? Oh non, ça ira pour la couche. Comment je vais faire pour me retenir là? C'est plus une vessie que j'ai, c'est une piscine municipale, frère. Et là, concrètement, soit je prends le risque d'aller faire pipi, soit je me pisse dessus. Je fais quoi? Je fais quoi? Ça coule vite! Personne à l'horizon. Vite, 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 vite. Elle m'a pas entendu, vite, j'en peux plus. Hein? C'est quoi ces bruits? Attends, me dis pas qu'il est en train de pisser lui! Dylan, t'es allé pisser? Oh non! Je vais te couper le gag! Accélère! Je vais te le couper! Oh non! Kaina! Oui! Kainouche, t'es là? Moi! Il y a le bus, Kaina! Oula! Monsieur le bus, attendez-nous! Allez, viens, Kaina, on monte dans le bus! Ah, mais comment ça pue trop dans le bus? Mais grave! Ah, mais pétez des airs, en fait! Y a même pas de place assise! Crary, Kimberly va rester debout! Mais lol! Kaina! Quoi? On descend du bus, on va au magasin! Ah, dis d'accord! Je suis tombée là, t'es un voyou! Attends, Kainou, je baisse le son. Ouais, c'est bon. Bonjour, monsieur le magasin. Bonjour. Est-ce que je peux faire une annonce au magasin? Pour dire quoi? C'est pour dire mon Snapchat au micro. Quoi? Madame, ça va pas être possible de faire ça. Mais pétez l'air, en fait, tu sers vraiment à rien. Attention, je vais faire moi-même. Hein? Ajoutez Kaina 935 sur Snapchat. Kainou, j'ai trop faim. Viens, on va au McDo, en fait. Grave. Vas-y. J'attends. Bonjour madame. Ah bah c'est pas trop tôt. Quoi? Moi monsieur, je vais vous prendre un Coca-Cola sans caleçon. Quoi? Sans glaçon, je veux dire. Ah d'accord. Désolée, sans glaçon, je suis déjà trop fraîche comme ça. Mais tu ressembles à un scolopendre. Quoi? Oh. Ah c'est mon réveil. Mon bon petit réveil de Gaulois. Pour passer une belle journée. Oh punaise, il est déjà 8h. Vite, je vais être en retard pour mon reportage de la Première Guerre mondiale sur Arte. 11 novembre 1918. Waouh.
Allez, maintenant, on enchaîne sur un reportage de Napoléon. Voilà, ça, c'est mon Napoléon, ça. Bien joué. Ça, c'est mon Bonaparte. Et je parle pas de là où on habite, hein. Hein? Bonaparte, appartement. Mais ferme-la, Patrice. Mais c'est qu'il fait grand soleil. Allez, c'est parti, on va bronzer. Entre 39 et 45 minutes. Quoi? Chérie, je vais d'abord une idée de génie. Dis-moi. Tu sais ce qu'on va faire? Non. On va creuser un grand trou dans le jardin. Mais non, c'est vrai, tu veux enfin qu'on ait une piscine? Bah, bien sûr que non. Hein? Pour qu'on ait nous aussi des tranchées. Quoi? La Première Guerre mondiale, c'est fabuleux. Patrice, toi et moi, c'est fini. Wow, comment il est brûlant le sable. Oh, c'est quoi, c'est une plage ou c'est ce Floris Lava là? Allez, maintenant, on chill. Alerte à la gourmandise, hein? Chouchou, beignet à la pomme à la fraise au chocolat. Monsieur, un petit beignet? Non, c'est bon, monsieur. Ni chouchou, ni beignet, ni boisson. Je veux juste bronzer. Dans ce cas-là, je vous propose un beignet à la crème solaire. Quoi? Il fait quoi avec son gros pied, lui? Excuse-moi, frérot. Ouais? Jusqu'à preuve du contraire, ma serviette, t'as vu, c'est pas l'autoroute A7, ni le périph' parisien. Vroom. Si tu peux mettre tes gros pieds pleins de sable ailleurs que sur ma serviette, ça m'arrangerait. Ah, j'en ai pas vu! Bonjour, ce mec. Allez, y'a plus de chouchou, y'a plus de relou, on va pouvoir dormir. Ouais. Ouais. Eh, monsieur, on voit le ballon, monsieur! Tu joues à quoi? T'as toute la plage pour jouer? Est-ce que je ressemble à une cage de foot? Est-ce que mon crâne, c'est une lucarne? Alors pourquoi sur toute la plage faut que tu me tires dessus? Pardon, monsieur. Ça m'envoie des ballons pleins de lucarnes pendant que je suis en train de bronzer, là. À croire c'est la Coupe du Monde, ici. Quoi? Hop, un clignot. Parfait. Et voilà, monsieur. On arrive à destination. Oh, punaise, bah c'était rapide, merci beaucoup. Je vous dois combien? Ici, monsieur, sur le pare-brise, vous voyez le compteur? 67,50€, s'il vous plaît. Mais en plus de super bien conduire, vous êtes super marrant, monsieur. Eh, franchement, je vous recommande. Ouais, c'est vrai qu'on me dit souvent que j'aurais pu devenir humoriste. En revanche, là, j'ai pas du tout fait de blague. Comment ça, y a pas de blague? Je vous ai seulement annoncé le prix. 67,50€ pour la course, s'il vous plaît. 67,50€? Voilà, c'est ça, c'est sur le compteur ici. Mais c'est quoi, en fait, après, j'ai des parts dans la société? Non, non, monsieur, c'est juste le prix de la course. Alors, moi, je veux bien payer le prix de la course. Par contre, l'assurance et le prix de la voiture, c'est à vous de le payer, hein. Ah, je sais bien, monsieur, là, c'est juste la course que j'ai facturé. Les 67,50€, tu crois que je suis en train de faire un leasing, là? Monsieur, les tarifs étaient annoncés dès le départ. Je comprends pas votre réaction. Un aller-retour en avion pour aller en Espagne, ça coûte moins cher que ton taxi. Tu crois que t'as la voiture oui pour facturer aussi cher? C'est juste les prix normaux pour une voiture comme la mienne. Une voiture comme la tienne, mais à ce prix-là, j'espère que c'est un Transformers. C'est quoi, c'est y'a Mister V qui fait la voix off ici? Encore? Ça fait beaucoup là, non? Moi, je fais 10 km de plus, je finis à poil, frère. Quoi? Alors, je vais vous rendre vos rédactions. Là, j'en ai pire cassé. Ils sont pire que loupés. J'en ai ras le bol. Alors, Lucas. Oui. 3. Aïe! Dylan. Oui. 5. Quoi? Mathias. Oui. 7. Hey, laissez-moi cette musique là, c'est quoi cette musique? La ferme! Pardon? Madame Laurent, aujourd'hui je vais parler, j'en ai marre de vos notes! Il veut quoi? J'ai parlé au nom de toute la classe! Vas-y, parle! Écoute-moi bien! Madame Laurent, vraiment, je suis désolé. Ou pas tant que ça, en fait, je vais te clasher. Notre moyenne, vous l'avez négligée. Vous êtes B, on va pas dire ok. Et tous les jours, je vais vous faire arrêter. Vous êtes prof de français ou de karaté. Je vais trop briller. Je vois ma moyenne, elle fait que se diviser. Et l'intello, toi, je vais te mêler. À chaque DM, tu me dis que t'as pas fait. Et après, l'autre nous dire désolé. Je sens comme une envie d'étrangler. Rigole pas trop la prof de français. Quand je vois mes notes, je me dis que c'est pas vrai. Vraiment là, y'aura pas désolé. Et je pense que toi aussi, je vais t'étrangler. Miskine, même ton mari veut se barrer. Toi, t'as pas d'enfant, donc t'es aigri. Ta bouche, ouais, chez l'Espagne. Les rouges en jaune, je crois que je reconnais le flag. Ton odeur est forte comme un fennec blindé. À vous entendre, on croit écrévisé fallait. Faut savoir qu'on n'a pas que vous comme prof. Hein, la grenade sur les devoirs, toi tu forces. Encore un contrôle, je vais virer. Si j'ai moins de 2, je crois que je suis viré. Essayez au moins de nous dire désolé. J'en sens comme une envie d'étrangler. En plus, y'a de rigole, je vais virer. Sale gros sortir, je souhaite le pire. Ouais, t'as pas de mari pour faire des pirouettes. Donc sur tous tes élèves, tu viens de venger. Et viens là, décoller, décoller. Et ensuite, vous appliquez le théo. Oh. Bon, Dylan, tu fais quoi, là? Oui. Je travaille. Hein? Je travaille. Non, là, tu travailles pas, non. Ouais, non, j'avoue, je travaille pas. Mais je suis pas comme vous faites, monsieur. Hein. Mais franchement, les maths, c'est trop chiant. Eh, vous devez trop vous ennuyer dans votre vie. Et non, justement. Parce que j'ai une double vie. Comment ça?
prof de maths mais aussi rappeur. Entre les deux tu vois pas de rapport. Les équations ça me fait pas peur. Théorème et sur Pythagore. Et je vois tes petits yeux s'écarquiller quand j'explique le cours. Faut que t'apprennes les formules pour t'enlever le doute. Pour trigonométrie c'est Socato A. Mais faut faire Bélec si y'a l'angle droit A. Oui ça c'est vrai. Heureusement t'es là. Même l'intello a besoin de mes conseils. Il va de mon cas, ça c'est un de mes confrères. T'as pas le bac, y'a des conséquences ray. Après tout ça, c'est des grandes vacances frère. T'as mais qu'est-ce qu'il a lui encore à lever la main là? Tu veux quoi? Mais monsieur, elle le sait au moins la CPE, vous êtes un rappeur. T'as CPE, moi j'aime pas, je la ouette. T'arrives au bac, t'as grave les mains moites. Non mais en sarre, toi de quoi je me mêle? Ce tout bac, prend que des boîtes. Quoi? Non mais ça va pas bien. Avant d'aller foutre les termes, il commence à nous faire chier cet intello. Oh mais ça c'est vrai hein. Qu'est-ce que j'ai la flemme. Ouais. Oups, j'ai fait tomber mon stylo. Waouh. Eh mais monsieur, je vous ai vu. Hein? Vous étiez en train de la mater là. Poto, je suis prof de sport. Moi je suis pas prof de maths. Poto, les culs, je les mate. Surtout sur le mur d'escalade. Qu'est-ce qu'elle a la Brenda? Ouais, je sais quoi ton souci. Tu me fais full up de regard, mais sur la piste tu vas courir. Qui pleut, qui vente, qui neige, tu vas cavale, c'est pas mon problème. Je fais pas de pompe, pas de traction, et si tu te plains, t'as pas la moyenne. La moyenne, elle passe sous le pif. Ouais, en sar, c'est trop triste. T'auras beau cavaler sur la piste, toute ta vie, je te mets moins de 10. Wesh, Brenda, t'as la rage. T'as juste marché, t'es déjà en âge. Si tu t'allonges, ça fait barrage. En sar, ça craint, hein, vu ton âge. Non mais messieurs, là, vous abusez, hein. Ok, j'avoue, j'ai peut-être un petit peu abusé, je m'excuse. Mais qu'est-ce que je raconte, en vrai, est-ce que je m'en fous? Je prends lias sur lias. Et je bosse même pas. Je pose fiac sur chaise. Je suis même pas sympa. Et j'ai pas de copie à corriger. Je suis prof mais je fais jamais sport. Tous les jours je suis en jogging. Et en plus je chie sur les élèves. Mais c'est la vie de rêve en fait. Quoi? Eh frère, viens, on se cache à côté des casiers. Et on fait peur aux gens qui passent. Vas-y. Vous faites quoi là? Hein? On n'a pas le droit de rester dans les couloirs. Ah ouais, je l'avais oublié elle. Oh, elle est trop chiante. Grave. T'as dit quoi toi? Mais faut pas déconner, toi tu fais que me coller. Depuis le début d'année, je v'là les mots dans le carnet. Non faut pas déconner, 8h du mat m'a fané. Wesh elle fait que de crier, en plus elle vient de me courser. C'est pas chez toi le lycée, je t'ai connu, tu me connais. Faut que t'ailles te faire soigner, t'es pas un exemple à donner. On me disait que la CPE c'était le cauchemar des élèves. Et plus le temps y passe, plus je trouve que c'est réel. Toi tu fais grave la meuf, tu te prends pour l'amiral. À croire que t'es en train de gérer un contrat pour le Real. Comment ça? Et d'ailleurs passe à l'Oréal, tu prendras quelques crèmes. T'as plus d'acné que moi alors que je suis pas juste en quatrième. Et puis d'ailleurs maintenant t'es enceinte. Ressort son gosse qu'aura ton empreinte. D'ailleurs je pense qu'en voyant sa mère, un baby frais, un A, les R. Mais surtout quand je vois ta tronche, j'aimerais pas voir la gueule du père. Quoi? Wesh mais il est déjà là le prof. Quoi? Allez les élèves on se dépêche. Quoi? Allez, on rentre vite! Vas-y, lui, c'est trop! Allez, on s'installe! Vous prenez qu'une feuille et un crayon! Oh non! Contrôle surprise! Quoi? T'es sérieux, toi? La tête d'homme, je le fais pas! C'est moi le professeur de maths, c'est moi qui choisis! C'est quoi cette musique? Éteignez-moi ça tout de suite! L'enfer! Pardon! Et aujourd'hui, ça va pas se passer comme ça! Aujourd'hui, je vais ouvrir ma bouche! Quoi? Frère, on a compris que t'es prof de maths. 8 heures devant ta porte, tu nous parles déjà de tes exos de maths. Rien à foutre, Pythagore, wesh, même mon crayon, il veut pas le voir. T'es maths, ton crâne, c'est gore, en sarté, une boule ou t'es un homme. Faut prendre vol express pour la Turquie. Stressé, je peux plus te permettre, les contrôles surprises, ça c'est fini. T'as laissé à plus de 100 mètres, mes frères, comme c'est lui, c'est un génie. Beau gosse ou t'es auré, moi j'en ai rien à faire de sa vie. Ça fait deux fois que moi je trouve 8. Comment ça tu trouves 2? Celle-là elle fait que de la D. Pourtant c'est la même. Check les piles, y en a 2. Ça commence à m'énerver, ton calcul de merde. Comment ça tu trouves 2? Celle-là elle fait que de la D. Pourtant c'est la même. Check les piles, y en a 2. Ça commence à m'énerver, ton calcul de merde. Des exos de merde, j'ai jamais eu le bon résultat. Recule d'un mètre, sinon je t'envoie une patate. J'ai déjà visé ta tête. Si tu bouges pas, je te l'envoie. T'es une tapette, ça m'étonne. Donne pas que t'es prof de maths. Je te laisserai pas parler comme ça, Pythagore et Thalès. Tu vas être collé. Collé.